مرحبا بجميع أصدقائنا اللي كيشاهدونا من خلال شاشة القناة الرابعة. سعيدة بلقياكم أصدقائي من مدينة طنجة، كنجدد بكم الترحاب. اليوم غادي نتعرفوا على بورترين متميز وهما التوأم أيمن وعمر، هما موهوبان في الفن التشكيلي، يعشقان الرسم والألوان. غنتعرفوا جميعا على أصدقائنا ونعود فيما بعد. Bonjour, je me présente. Omar Atif, élève de 6e année primaire, j'étudie au sein de l'établissement privé à Mostarbel depuis 6 ans déjà. J'ai beaucoup de loisirs, comme le tennis, la peinture ou le théâtre. Mais celui que je préfère est la peinture. Maintenant, je vais vous laisser avec mon frère qui va se présenter devant vous. Je m'appelle Imane Atif. Je suis le frère jumeau de Omar. Je suis un élève de 6e année. J'étudie dans une école privée qui s'appelle Al-Mustaqbal, ça fait déjà 6 ans. Bon, aujourd'hui, vous allez rester avec nous pour partager notre passion. Que veux-tu dessiner? On pourrait dessiner la nature. Mais quelle couleur choisirons-nous? On aura besoin du blanc, oui, du rouge, oui, du bleu et du jaune, du vert bien sûr, et du jaune moutarde, et du noir. On aura besoin de tous ces pinceaux-là. Et de celui-là, bien sûr, pour faire les montagnes. Nous avons commencé à dessiner le jour où notre institution, Al-Mustaqbal, école privée, a fait un grand concours de dessin. Et c'est grâce à notre mère qu'on l'a gagné. Elle fait de très beaux dessins. Et je peux dire qu'elle nous a aidés, nous aussi, à devenir de très beaux peintres. Depuis qu'on a gagné le concours au niveau de la ville, nous avons continué à dessiner. Le sujet de nos tableaux, c'est la nature. Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas la nature et ils jettent plein de déchets par terre. Nous ne voulons pas ça. Alors, le sujet de nos tableaux est toujours le même. Et nous voulons aussi passer un message au monde d'après nos tableaux. Le message de ne pas polluer la terre. Maintenant, je vais vous présenter quelques tableaux qu'on a dessinés. J'aime bien utiliser les couleurs claires, mais aussi les sombres. Pour les montagnes, on utilise le noir. Après, on n'a plus qu'à utiliser deux couleurs très proches, comme le jaune ou l'orange, le marron clair et le marron foncé. Comme ce dessin que je suis en train de faire. Le jaune et le jaune moutarde pour les montagnes. Comme a dit mon frère Ayman, nous voulons passer un message au monde d'après nos dessins qu'il ne faut pas polluer la nature. Qu'êtes-vous en train de faire? On dessine. Vous avez choisi un dessin? Oui, la nature. C'est très bien. Je vois que vous dessinez très bien. Merci. Moi, je suis Yasmina Apef. Je suis la sœur de Ayman et Omar, si présent. Ma spécialité, c'est les mangas. Mais j'aime aussi dessiner la nature avec l'aquarelle et les différentes couleurs.
encourage beaucoup et j'espère qu'ils auront un très et j'espère qu'ils seront de très bons peintres à l'avenir. Bien, c'est toi, je vais tout expliquer. D'accord. Comme je te disais, la cliente a été impressionnée par ce nouveau tableau et elle m'a proposé une grosse affaire. Ça va, on va continuer la discussion plus tard. Bon, tu seras gentil, tu vas m'attendre pendant que je discute avec la cliente. D'accord. Bonjour, je m'appelle Omar. Bonjour, je m'appelle Omar. Oh mon Dieu, je m'appelle Omar, il s'appelle Omar. Bonjour, je parlais avec ma soeur. Je parlais avec ma soeur. Oh mon Dieu, je m'appelle Omar, il s'appelle Omar. Je parlais avec ma soeur, il parlait avec sa soeur. Mais arrête de parler tout seul avec les miroirs. Ça va faire fuir nos clients. Mais c'est pas un miroir, moi, regarde. Oh, c'est salé. Elle a cru que tu étais un reflet. Elle a cru que j'étais un reflet. C'est mon frère jumeau, plus le dessin, nous faisons aussi du théâtre. Le jour où nous avons commencé à faire le théâtre, c'est dans la colonie de vacances. Le jour où ils avaient fait une compétition de théâtre. Bien sûr, nous l'avions gagné. Et après ce jour-là, nous commençons, moi et mon frère, à faire des petits sketchs entre nous et nous nous sommes même inscrits dans des cours de théâtre. Comme a dit notre frère, nous avons gagné plusieurs médailles dans le théâtre, mais aussi dans le tennis, quand on avait fait un championnat. Mais aussi notre sœur qui a gagné le premier jour dans un concours de danse, une médaille, et dans le deuxième dans un concours de chansons. Je parle de ma sœur parce qu'elle nous aide. Elle nous aide à répéter nos sketchs. Maintenant, on est assis entre familles. Voici ma mère, mon père et ma sœur Yasmine. C'est grâce à notre famille que nous avons pu développer beaucoup de talents et de joindre le fil à l'agréable. Et aussi grâce à notre mère qui nous a aidés et soutenus. C'est des activités qui leur permettent de s'épanouir davantage, de développer des talents, de développer des loisirs qui sont assez importantes aussi bien pour leurs études que pour la cohésion familiale. ملي كانوا صغارين وانا كنحاول ما امكاني اغسلهم ياسمين ملي كانت عندها عام كنت كنعطي لها تعمل بالاصابع ترسم وايمن عمر فهما حاولت معاهم يرسموا الحمد لله دابا متميزوا بزاف في المدرسه ديالهم. Ici, c'est la récréation. Ce que j'aime faire, c'est parler, moi et mon frère, avec mes amis. Des fois, on aborde le sujet de foot ou de n'importe quoi. Ce que j'aime dans cette école, c'est que j'ai beaucoup d'amis, je peux m'en faire beaucoup, on joue, on parle et tout. هذان التلميذان من بين التلاميذ المجدين والمواظبين والحاصلين على النقط الجيدة سواء في المراقبة المستمرة أو سواء في الامتحان الموحد الذي جرى على الصعيد المؤسسة ونحن دائما على اتصال بوالديهما من أجل معرفة مستواهما الدراسي ومتابعتهما. وتسمع موسيقى عذبة في إقامتك وسفرك وتستطيع أن تلتقط في صور ولا في أي مكان. لا
الغيبة ديالنا هي الرسم. علاش؟ خصنا دايما نعدلو التمارين ديالنا المنزلية وداخل القسم، تبقى السلوكات ديالنا تبقى دايما رائعة. حنا عندنا الدراسة ضرورية بزاف، لهذا كنبقاو نتعاونو نحصلو على المراتب الأولى.